Premium Live présente Maître Block Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde, dans Alain Edgar Mbengo. Je suis le Maître Block Oya, avocat constitué par l'association des détenus chroniques du Cameroun. Bon, j'ai été contacté pour défendre le cas Alain Edgar Mbengo. Non mais, vous savez, pour défendre un client, il faut d'abord le comprendre et l'écouter. Alain Edgar, j'ai lu dans la presse qu'on aurait trouvé 3 milliards de francs CFA chez toi en espèces. Non mais, si ce n'est que 3 milliards, je peux comprendre, je ne t'en veux pas parce que, mine de rien, tu as quand même été directeur du cabinet civil, tu as quand même été ministre délégué chargé de la défense, tu as quand même été ministre des transports, sans oublier que tu étais délégué général à la sécurité nationale. Mais Alain, si en dehors des 3 milliards là, tu as encore des milliards cachés quelque part, mais c'est là où c'est pas bon, hein. Donc c'est là où ce serait un peu compliqué à expliquer ça. Mais Alain, j'ai aussi appris qu'on a trouvé dans ton parking 48 voitures. Bon, il ne fera pas de mal à ça, hein. Si c'était au moins 50 voitures, j'allais comprendre que bon là, c'est plus bon, ça n'est tout, mais si ce n'est que 48 voitures. Et en plus, moi, je peux aussi comprendre, tu sais, quand tu étais longtemps habitué pour des raisons protocolaires, de sortir avec pleine de voitures, même quand tu n'es plus en fonction, tu es toujours tenté. Quelqu'un qui a occupé les hautes fonctions de ta tranche, même quand il sort, même s'il n'est plus dans la fonction publique, il faut bien qu'on sente que c'est un monsieur qui a travaillé, donc je peux comprendre. Si c'était 50 voitures, je me serais plein, mais si ce n'est que 48, c'est pas grave. Et en plus, qui sait, peut-être que les autres ministres venaient garer dans ton parking. Qui leur a dit que ce n'est que tes voitures? Mais j'ai aussi appris que en tout et pour tout, tout ce qu'on te réclame, c'est 196 milliards. Alain, si c'est vrai que c'est 196 milliards, mais Alain, tu peux rien faire pour toi, hein. Non, mais attends, 196, ce sera compliqué, Alain. Parce que d'abord, l'affaire Simeton, Alain, de tous les gens qu'on a arrêtés, de tous les ministres qu'on a arrêtés, moi, je n'ai pas d'abord compris pourquoi ta part, on t'arrête, ta femme et on bouchait les enfants. De toutes les façons, moi je te promets rien, mais je vais voir ce que je pourrais faire. Donc je vais essayer de voir, mais vraiment, parce que quand même, tu as de l'appétit, Alain, toi aussi.